won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki, singing my play don't tempt me. Farm blocks late night, no entry, sentry, porkies all in the rest. Yo, man get bad beat, come to the knees for a purpose. G, leave it a little bro swag. Bon les gars, je crois que je viens de trouver le meilleur combo pour le pré-workout. J'ai mis du coup une scoop du pumper que je t'avais déjà présenté dans une vidéo, le pumper de chez QNT, et j'ai rajouté encore les pré-workouts que tu peux acheter genre au Lidl, tu sais, avec un peu de caféine. J'ai passé une nuit pas trop ouf, donc ça va me faire du bien. On verra au niveau de la digestion, mais je parle toujours de digestion, mais je pense que ça devrait le faire. Sur ce, what's up les gars, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On est dans la troisième semaine avant la prochaine compétition. Très content de tourner cette vidéo, on est directement à la salle de sport pour mon push day. Donc on est lundi, c'est le jour des pecs. Ensuite, concernant mes macros actuellement qui ont encore descendu, donc en jour on et en jour off, sur les jours d'entraînement et les jours de repos du coup, le poids, comme tu l'as vu, ne descend pas des masses. On est légèrement en dessous des 75, mais on devrait être quand même bien plus bas, surtout au niveau de la moyenne, tu vois, puisqu'on vise toujours le fameux 1% par semaine. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais l'objectif est du coup de viser 1% de perte de poids corporel par semaine, donc 800 grammes par semaine. En ayant averti AJ le vendredi, je crois, avant la fin de la semaine complète, qu'au final mon poids ne bougeait pas du tout, on a décidé de, sachant que toutes les variables étaient bonnes, le sommeil était ok, j'avais pas de stress particulier, j'avais pas de grosse fatigue, on a décidé de descendre les calories, donc pas d'autres changements de prévu. Je suis assez bas et j'ai jamais été aussi bas en termes de calories, aussi loin de la prochaine compétition. Tu vois, on a plus de 3 semaines. D'habitude, ces calories-là, je les ai vraiment quasiment sur la fin, genre la dernière semaine et encore quelques jours avant. Donc on a 2080 calories sur les jours d'entraînement, 210 grammes de prot, 220 grammes de glucides et 40 grammes de lipides. Et on a 1970 calories sur les jours off avec 210 grammes de protéines, 170 grammes de glucides et 50 grammes de lipides. Comme tu vois aussi, et comme tu l'as vu dans la vidéo juste avant, j'ai changé légèrement mon petit déjeuner pour avoir plus de volume et surtout avoir aussi de meilleurs lipides, parce qu'au final, l'avoine, ça me prenait 11 grammes de lipides sur la matinée, quasiment un petit peu moins en comptant la whey, environ 7 ou quelque chose comme ça, ce qui est assez énorme, sachant que j'en ai que 40 jours d'entraînement. Donc j'ai viré l'avoine. À la place, du coup, je fais ma crème de maïzena le matin, sachant que je ne l'ai plus, à la collation, puisque j'ai plus assez de carbs. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de volume, ça me permet de placer un chocolat noir, ça me permet de passer une banane un peu plus grosse, et surtout ça me permet du coup d'avoir plus de volume, le ventre un peu plus rempli et tenir toute la séance. Séance push, on va se retrouver dans la salle, je vais te montrer mon échauffement, je vais te montrer ma séance en général, et on débriefera à la fin pour la fin de séance. Je sais que c'est quelque chose qui te plaît bien quand je commente mes séances, donc j'ai mon micro, j'ai le trépied, et puis c'est parti, on va commencer la séance. Après, comme d'abord, après mes 15 minutes de pas, tu sais, comme je fais toujours en début de séance, je t'avais déjà montré, je vais attaquer la routine d'échauffement. Routine d'échauffement mental, routine d'échauffement musculaire, routine d'échauffement articulaire. Je vais te montrer un peu ce que je vais faire au fur et à mesure et je vais te le commenter par au-dessus. Donc on va toujours avoir en premier tout ce qui est la tête, tout ce qui est les épaules, tout ce qui est les coudes, tout ce qui est les mains. La tête, un maximum de tours, pas trop vite non plus pour pas avoir la tête qui tourne. Les épaules, je fais environ 20 tours. Je fais 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Pas les deux bras en même temps pour éviter de créer des conflits au niveau du trapèze et pour avoir les mains qui se tournent beaucoup plus facilement. Ensuite, bien sûr, on va avoir les coudes. On va avoir le mouvement un petit peu tectonique, tu vois, le truc genre passer en dessous, passer au-dessus. C'est un peu classique, mais c'est le truc qui marche le mieux pour échauffer tout simplement dans un premier temps d'abord les articulations. Puis on va ensuite avoir tout ce qui est poignet. Je vais faire un maximum de tours, donc environ 10 dans un sens, 10 dans l'autre. J'avoue que je compte pas trop juste. Je tourne les poignets. Je vais échauffer aussi mes doigts bien sûr, donc un petit peu dans tous les sens. Ensuite du coup, si je continue, on va avoir tout ce qui est bassin. Je vais faire quelques tours au niveau du bassin. Là, il n'y a pas forcément de genoux ou quoi que ce soit dans le mouvement, donc j'ai pas forcément besoin de travailler tout ce qui est cheville et tout ce qui est genoux. Mais par contre, le bassin, c'est assez important. Ensuite, je vais passer au sol pour la suite. Et la suite, du coup, ce sera un peu plus, on va dire, des étirements pour mettre, j'allais dire en jambes, mais pas forcément en jambes, mais juste se mettre dans la séance. Donc d'un côté, de l'autre, tu vois, ça craque, c'est un bon signe. Ça libère un peu quelques bulles d'air que tu peux avoir dans les vertèbres, etc. Dans un sens, dans l'autre. Une fois que j'ai fait ça, généralement, je passe du coup sur quelque chose d'un peu plus dynamique, on va dire. Là, je vais avoir du coup des planches. Je vais compter environ jusqu'à 10, donc une dizaine de secondes la planche classique, une dizaine de secondes pour les obliques et du coup une dizaine de secondes dans l'autre sens pour les obliques. Donc ça, c'est vraiment pour le
l'échauffement en général pour tout le physique. N'hésite pas si jamais à voilà, marcher un peu en même temps, tourner le dos, etc., bouger un peu dans tous les sens pour activer tout ça. Moi j'ai pris du coup le pumper, donc j'ai un petit peu les oreilles qui piquent là, au moment où je te parle. Ensuite du coup ce que je vais faire, je vais prendre une kettlebell, moi c'est entre 8 et 10 kg. Et là ça va vraiment permettre de travailler toute la stabilité globale de l'épaule, du bras et du poignet. Donc le but, tu attrapes fermement la kettlebell, tu serres très fort. Il faut vraiment que tu arrives à garder un angle du coup de développer épaule en neutre. Vraiment en gardant une trajectoire comme tu vois qui est la plus linéaire possible. 10 répétitions dans un sens, essaye de garder, de retenir quand même bien l'excentrique, de garder une petite pause et de monter pas trop vite. Là, tu as une bonne routine d'échauffement pour tout ce qui est articulaire, qui est mental et qui commence à devenir musculaire. J'ai pas forcément dit non plus, mais essaye de privilégier un endroit dans ta salle où c'est assez calme, où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de musique forte, quelque chose de assez, c'est une zone à abdos, un truc comme ça. Comme ça, tu seras vraiment dans ta bulle. Je n'ai pas non plus mon casque pour l'instant tout de suite parce que je veux pas être distrait par la musique. Je vais vraiment faire cette routine d'échauffement correctement, sans avoir aucune distraction, sans penser à quoi que ce soit, ni le téléphone, ni quoi que ce soit. Tu vois, là, tu as environ 5 minutes, juste parfait. Pas besoin de faire beaucoup plus pour tout ce qui est la petite routine. Ensuite, on va passer à la routine musculaire, donc vraiment ce qui est avant l'entraînement. Là, ce que je vais avoir, c'est tout ce qui est un échauffement, bien sûr, de l'épaule. Donc, on aura encore, bien sûr, de l'articulaire, mais on aura surtout du musculaire. Tout ce qui est L-fly pour, bien sûr, l'arrière d'épaule en général, tout ce qui est rhomboïde, tout ce qui est grand rond, etc. On va avoir bien sûr de l'élévation latérale aussi, sans mettre trop de poids et tout, juste un poids cohérent, entre 10 et 15 répétitions dans un, 10 et 15 dans l'autre, tu passes à l'autre bras, les triceps en général, tu peux commencer à échauffer les pecs, moi j'ai assez de séries de chauffe quand même, de montée en gamme, donc je les prends quand même comme séries de chauffe, mais si jamais, tu peux très bien passer un petit peu sur une chest press, une ou deux séries, pareil, quelques répétitions, pas à l'échec, juste histoire d'échauffer tout ça. Premier exercice de la séance, je vais commencer avec des élévations latérales aux haltères entre 10 et 20 reps. Je fais 3 séries du coup, je suis à 14 kg pour ma série de travail. Donc tu vois, je vais monter tranquillement en rep. Je pense que 2 séries de chauffe me suffiront. Je vais en faire une à 10, une à 12. Je vais aller chercher les pareil, 10-15 reps à 10 sans aller à l'échec. Je vais rester entre 8 et 10 sur la deuxième. Ça me permettra d'être bien chaud. Et surtout, on va chercher à faire un mouvement d'élévation latérale qui est plutôt strict quand même. Pas d'élévation latérale de bourrin avec des poids où tu utilises quasiment que tes genoux. On va chercher à bien se concentrer, à lever le coude, garder les bras correctement. Tu sais, comme j'avais déjà dit, mais la technique du verre d'eau, le pouce vers le haut, le petit doigt vers le haut, pardon, pour vraiment avoir un bon mouvement et avoir un maximum de recrutement. Je vais m'autoriser quelques demi-reps sur la fin pour histoire de brûler, on va dire, un peu ce qui reste et de garder ce qui reste. Mais je vais garder maximum environ 5-6, tu vois. Je vais aller chercher une... Je crois que c'est 17 reps à peu près que j'ai. J'essaie de garder une bonne technique sur les 17 répétitions et je me laisse du coup un petit peu de demi-reps juste sur la fin. Les sangles sur le mouvement, une nouvelle fois, c'est juste pour éviter le facteur limitant poigne avant-bras pour être sûr que tu focuses au maximum l'élévation latérale, donc le fessier latéral, pour être sûr que à force de serrer, tu n'es pas à la poigne qui lâche. Donc, comme tu connais, c'est pareil sur le soulevé de terre, c'est pareil tout ça. Les sangles, meilleur allié pour ce genre d'exercice. Ou des keufs si jamais tu le fais à la poulie, mais utilise toujours le maximum de choses en ta possession pour être sûr d'avoir un bon mouvement et surtout un mouvement qui recrute correctement sans que ce soit autre chose qui lâche comme tes poignes ou tes avant-bras, simplement parce que le poids, pas forcément est trop lourd, mais juste parce que tu es fatigué et ça te permet aussi de pas préparer ta séance avec des muscles fatigués pour être meilleur sur la suite. Comme j'avais pu aussi le dire dans la précédente vidéo, comme je l'avais sur le upper, j'arrive de mieux en mieux à bien recruter maintenant mon fessier latéral et à beaucoup mieux le sentir qu'au début, principalement parce que je me focus à faire un bon mouvement, à maintenir d'abord une charge qui est cohérente avec ma stabilité actuelle, mon poids du corps actuel et surtout ce que j'arrive à donner dessus. Donc j'arrive vraiment maintenant à avoir un bon recrutement dès la première série avec des bonnes sensations directement et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout au début quand j'ai repris les élévations latérales, donc toujours se laisser du temps, avoir un poids cohérent et chercher à progresser correctement sur l'exercice. On arrive sur le premier gros exercice de ma série, donc le premier gros polyarticulaire, la chest press incliné de chez Hammer. Petit truc intéressant là-dessus, donc déjà il y a plusieurs choses, il faut savoir que Hammer, le mouvement, si tu mets rien ici là, il démarre assez bas. Et selon la longueur de tes bras,
ça peut vite devenir dangereux simplement au niveau des pecs, etc. pour la tirer. Donc tant que je suis sur mes séries de chauffe, ça va au niveau du poids, j'ai pas trop de problèmes. Dès que je commence à mettre le poids du coup de travail, c'est beaucoup plus compliqué à la chercher, c'est beaucoup plus dangereux et du coup je perds des reps. Donc pour ça que je t'expliquerai si jamais tu sais pas ce que j'ai l'habitude de faire pour démarrer un peu plus loin. J'ai 3 séries de chauffe au moins là-dessus, 3 montées en gamme avant d'être vraiment performant. 6-10 sur la première série de travail, 10-12 sur la deuxième. Donc ce que je vais faire une première série de chauffe entre 10 et 12, une deuxième entre 8 et 6, et une dernière environ à 4 reps, histoire vraiment de préparer nerveusement, musculairement, articulairement à ma série. Intéressant sur celui-là, quand tu te places, cherche à avoir, en fait, c'est pas très compliqué, cherche à avoir plus ou moins la barre ici, tu vois, au niveau de ton téton ici, légèrement au-dessus ou au-dessus. Comme ça, t'es sûr d'être dans l'alignement, surtout ce genre de machine qui va partir dans ce sens-là. Maintenant, j'arrive du coup sur ma série de travail. On est à 2 plaques 75. Donc on a 2, 20, 1, 10 et 1, 5. Et du coup, c'est ce que je t'expliquais, la technique pour les petits centimètres que je te disais qui sont un petit peu hardcore au démarrage de cette machine et qui peuvent déchirer le pec. Je les compense simplement avec des cordes. Donc si tu as ça dans ta salle, les cordes, privilégie des bouts assez mous. Là, j'ai trouvé un bout de corde, donc ça pourrait être beaucoup mieux. Ça te permet de gagner les centimètres là, qui vont te permettre de t'empêcher de t'arracher un pec. J'en parle souvent dans les vidéos, mais c'est pour moi le tip le plus intelligent et le plus important sur ce genre de machine. Cette rep, 0,5 de moins qu'à la dernière fois, j'ai fait 7,5 sur la dernière séance. Progressivement, au fur et à mesure des séances, je perds toujours des répétitions. C'est assez dur pour moi actuellement de voir séance après séance, toujours un peu moins d'énergie, toujours un peu moins de répétitions, de charge aussi, des fois certains mouvements. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du truc et qui fait que c'est là qu'on reconnaît du coup un compétiteur, on va dire, une mentalité de champion, quelqu'un qui fait juste ça comme ça. J'essaie de progresser et au maximum la progression, j'essaie de l'assurer. Mais bien évidemment, c'est avant tout moins bien sûr le plaisir d'aller s'entraîner, mais comme j'ai dit, c'est là que tu reconnais une mentalité de champion, c'est que c'est quand c'est dur que tu fais quand même le job, c'est quand c'est dur que tu donnes quand même à 200%, c'est quand c'est dur que tu es quand même là à pousser, à manger alors que tu as encore plus faim. C'est pas forcément évident, sachant que hier du coup c'était un day off. Et les day off, j'ai eu, comme je t'ai dit, 170 grammes de glucides dans la journée, ce qui est vraiment très peu. Ce qui te fait te coucher avec la faim, te lever avec la faim, passer tes journées avec la faim. Donc bien évidemment, normalement, c'est pas le plus simple. Maintenant, l'important reste de maintenir une inflammation sur les muscles en général. Donc je continue de me donner à 100% sur mes entraînements, avec l'énergie que j'ai, avec la motivation que j'ai et avec l'intention que j'ai d'aller le plus loin possible dans cette compétition qui arrive d'ici peu au final. Je suis passé sur la série numéro 2, le back-off. J'ai enlevé, je n'ai pas encore enlevé je crois. Je vais mettre 2 plaques plus 7,5, ce qui me semble largement cohérent pour être entre 10 et 12 reps. 2 secondes sur l'excentrique, je la freine au maximum. J'ai une concentrique assez rapide bien sûr, mais j'ai une excentrique qui est plus ou moins contrôlée. Je pousse fort dans mes jambes sur le mouvement pour amener le plus d'énergie possible. Dernière série. It's a joke, say she got a friend, well I want them both. Ain't going to jail like me up in the booth. Talk out your mouth and you might lose a tooth. Go to your score, all you know is shoot. I'm dropping the top, I think I lost my roof. Don't listen to him, he won't tell you the truth. Sur cet exercice-là, le développé épaule du Technogym, si tu penses que c'est uniquement du coup un mouvement d'épaule, tu te trompes un peu. Tu pourras être 100% meilleur si tu utilises également tes jambes. De toute façon, tous les mouvements de push, c'est un peu la même chose. Pense à tes abdos, tes quadriceps, tes pieds, pense à bien ancrer tes pieds au sol. Plus tu auras les pieds ancrés au sol, plus tu pousseras dans le sol à chaque poussée, tu vois, plus tu seras fort et tu arriveras du coup à créer une énergie, tu vois, qui vient du sol, qui passe par tes genoux, qui passe par ton bassin et qui arrive dans tes bras. Donc utilise vraiment ce levier que tu peux avoir avec tes jambes en poussant fort dans le sol, en utilisant bien ta respiration pour être le plus solide possible. Je te dis ça, ça m'aide bien, mais au final j'ai quand même perdu une rep sur mon top 7, ce qui fait encore une fois mal, ce qui réduit encore la note sur 10 de la séance, t'imagines bien. Comme je t'ai expliqué avant, actuellement les séances sont faites parce qu'il faut les faire.
Je sais très bien que je pars pas défaitiste. Je fais ce que je peux pendant la séance. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. C'est tant pis. Je suis pas non plus à genre 4 reps de moins. Tu vois, j'ai une rep de moins. Mon mouvement était pareil. Ma standardisation était pareille. Donc pour moi, ça reste actuellement l'essentiel de faire avec l'énergie que j'ai. Donc, dernière fois, serre-toi de tes jambes. Pousse dans le sol fort quand tu fais ce genre de mouvement, justement pour être le plus puissant possible. On arrive sur le quatrième exercice de la séance, le pec deck de chez Technogym. Ce qui est bien avec cette machine-là, c'est que tu peux avoir une machine du coup qui est pas trop mal parce que tu vas vraiment pouvoir avoir une tension que tu vas pouvoir mettre ici. Donc un peu comme si tu avais des keufs. Pour vraiment ramener de cette façon-là. Tu as une pédale de débrayage qui est juste là, donc qui te permet de démarrer plus loin devant. Ça, c'est un super truc sur ce genre de machine. Cherche une bonne contraction, cherche un bon étirement, bien sûr. Pas de précipitation, tout le monde s'en fout du poids que tu mets sur ce genre de machine. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que si tu as un carré d'entraînement, bien sûr, pense à noter toujours tes réglages de machine au niveau de la taille, surtout la taille à laquelle tu te places, où tu places ton dossier, pour avoir une standardisation qui est la même. On me demande souvent comment pouvoir standardiser correctement ces répétitions, ces exercices. La première chose à faire, c'est noter toujours tout. Donc, bien sûr, noter les perfs, bien sûr, noter le poids que tu as mis, mais aussi et surtout noter les réglages sur la machine, tous les réglages possibles de la machine, que ce soit les ouvertures de bras, que ce soit les réglages de dossier. Plus tu mettras d'infos dans ton carnet, plus tu es sûr d'avoir un mouvement qui est la même, surtout si tu utilises toujours et encore les mêmes machines. Sur ce mouvement-là, ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment chercher à bien contracter sur une bonne seconde, vraiment bloquer, 2 secondes sur l'excentrique, 1 seconde en arrêt en bas. Et je me remets à bloquer au maximum. Et le facteur déterminant de la fin de ma série, ce sera vraiment le fait que je puisse plus du tout monter assez haut. Donc soit je me dis que je peux plus faire toucher les deux protections qui sont là l'une contre l'autre, ou alors je me laisse quelques centimètres, mais généralement c'est ça qui détermine la fin de ma série, tout simplement parce que le muscle du coup n'est plus en capacité de ramener correctement, enfin le muscle ciblé du coup n'est plus en capacité de ramener correctement et de finir le mouvement. Élévation latérale unie à la poulie, ce qui va être intéressant pour cet exercice-là, comme pour l'échauffement des keufs premièrement, comme j'ai déjà dit, pour éviter le facteur limitant avant-bras. Réglage de la poulie à peu près à hauteur du bras tendu, pour avoir un mouvement comme ça, le plus linéaire possible. Cherche pas à partir de côté, cherche à partir de devant sur les côtés, puisque le faisceau latéral n'est pas que sur les côtés, il s'implante aussi devant, ça te permettra d'avoir un bon mouvement. Ce qui est bien aussi dans cette salle, c'est que du coup, tu as des disques comme ça, des micro-plates de 1 kg. C'est vraiment bien pour mettre plus lourd ce genre de mouvement, surtout quand du coup, c'est un mouvement où il y a quand même un contrôle à avoir, c'est pas facile de monter les poids facilement. Donc quand tu peux jongler de 0,5 ou de 1 kg, c'est vraiment super pratique. Ça me permet d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus strict, beaucoup mieux, avec un poids du coup qui augmente au fur et à mesure. 1 kg ou des 0,5, ça arrive à te fournir de ça. Là, j'ai la chance d'avoir dans la salle. Mais si jamais, ça peut vraiment être intéressant. I was walking, then I hopped in the coupe. It's my business, I pull up in the suit. You couldn't feel me if you wasn't masseuse. Strap on an angle in my corner, obtuse. When you get money, gotta move in the group. Now I'm ballin', you ain't think I could hoop. She got friends, we put them in the loop. Le coude drive au maximum le mouvement et je sais pas si tu vois bien, si jamais, mais je suis pas totalement dedans avec l'épi ici, parce que sinon à chaque répétition tu as le poids qui vient se coincer dans les poids là. Donc mets une petite toute petite marge entre ton épi, s'il est assez long ça devrait largement suffire. Ouf. Putain, comment je suis plus fort. Ce que tu peux privilégier aussi, et ce que j'aime bien quand tu es sur ce genre d'exercice là, essaie d'avoir de faire en sorte que les deux bras, quand tu fais l'exercice, tu sois face au miroir. Là, la poulie qui était à côté était prise et je crois qu'elle gratte un petit peu. C'est pas les mêmes si tu as les poulies qui sont les mêmes, qui grattent pas, qui ont la même résistance, c'est pas toujours facile dans les salles, mais si t'as ça et que t'as les deux poulies disponibles, fais en sorte d'avoir, tu vois, genre typiquement ce bras là il sera face au miroir, ce bras là sera face au miroir, ça te permet d'être sûr de ton mouvement, d'avoir un point de repère fixe et surtout tout simplement un miroir sert à ça au final, vérifier que ton mouvement est bien. Donc si tu peux au maximum
privatiser les deux poulies selon le monde qu'il y a dans ta salle. Essaye de le faire. Également, vu que c'est un mouvement en uni, toujours, moi, ce que je privilégie, c'est le bras le plus faible en premier. Simplement pour être sûr que j'arrive à l'échec sur mon bras le plus faible en premier, avec un vrai échec, et non pas un échec pour en avoir autant que mon bras le plus fort, si je commencerais par mon bras le plus fort en premier. Simplement pour avoir des répétitions qui sont cohérentes, correctes. Certes, mon bras le plus fort, du coup, qui arrive en deuxième, j'aurais un peu plus de reps normalement, mais je vais exprès pas aller chercher justement pour éviter de créer encore plus un déséquilibre, même si normalement t'es pas censé avoir 4-5 répétitions, ça se joue à 1-2 arrière généralement si le mouvement est bien fait. C'est juste privilégie toujours le bras le plus faible en premier, le bras le plus fort en deuxième, prends le repos qu'il faut, même si c'est en uni, pas besoin d'enchaîner les reps, pas besoin d'enchaîner les deux séries, fais ta première, tu prends le temps, fais ta deuxième et c'est réglé. Too attached, think I need me some room. Talk like my bro, it'll be out at noon. They dumped me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. J'ai obligé de me laisser actuellement sur les extensions triceps parce que le poids que je mets en bilatéral ne permet pas d'être assez stable avec mon poids du corps actuel de maigre comme d'habitude. Donc je suis obligé de me laisser pour me rajouter du poids du corps justement pour être plus lourd et pas m'envoler sur mes répétitions. Je pense passer en unilatéral sera beaucoup plus simple. Ça me permet d'être meilleur juste sur ce mouvement-là. C'est un petit tip, c'est pas obligatoire, mais si jamais ton poids du corps ne te permet pas d'être bon sur ce genre de mouvement, laisse-toi. Tu seras meilleur. Bon, on arrive sur l'avant-dernier exercice de la séance. Séance assez longue, assez dure. Extension de triceps unie derrière la tête, j'ai deux séries. Je suis entre 8 et 10 répétitions, donc tu vois, c'est peu de répétitions. C'est une petite fourchette. Actuellement, je vais te montrer un truc. Deux petits conseils qui peuvent être utiles. Déjà, tu vois, à la base, c'est un haltère de 12. J'ai rajouté le fameux 1 kg, le même que je t'ai montré avant, qui appartient à la salle. Et le montage que tu vois ici, du coup, c'est juste des élastiques pour le faire tenir. Ces élastiques-là, ils sont pas mal parce que tu as une grosse ouverture entre chaque. Tu peux juste les caler là pour faire retenir. Ça dépend de la taille aussi du poids que tu utilises. Ça te permet de mettre un peu plus lourd. Si le poids que tu mets n'est pas trop lourd dessus, il sera pas mal pour retenir. Deuxième conseil, quand tu fais les extensions de triceps derrière, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un curl pupitre. Parce qu'en fait, je vais te montrer, quand tu te places sur le curl pupitre, c'est vraiment easy parce que ton dos est maintenu, ton haut du dos est maintenu. Tu as la pompe pour passer ton haut. Ce que tu n'as pas forcément avec tous les bancs technologie, mais les bancs assez hauts. Donc si tu as moyen d'avoir un curl pupitre disponible, tu descends ça au maximum. Tu fais en sorte d'avoir toute la partie trapèze, un peu trapèze médian, ouais, du coup trapèze du milieu qui est bloqué. Et surtout, tu penses à être le plus stable possible. Donc, tu penses à bien gagner tes abdos, pas être emporté par la charge. Même chose ici, pas de précipitation, un mouvement bien contrôlé, une seconde en haut, deux secondes de descente, tu la bloques en bas, tu la remontes. Et tu verras que c'est un peu le mouvement où tu te fais surprendre d'une à l'autre. Donc essaie d'avoir un mouvement qui est bien contrôlé, bien pensé à ton mouvement. C'est peut-être pas non plus exagéré, mais un peu la connexion cerveau-muscle, tu vois, surtout sur ce mouvement-là. Et bien sûr, quand tu fais le mouvement, fais en sorte que le poids que tu as rajouté soit vers le haut, pas créer une tension vers le bas et que l'élastique d'un seul coup lâche pendant ta séance, pendant ta série, quoi. I was walking, then I hopped in the coupe. It's my business, I pull up in the suit. You couldn't feel me if you wasn't masseuse. Shop on an angle in my corner obtuse. When you get money, gotta move in the group. Now I'm ballin', you ain't think I could hoop. She got friends, we put them in the loop. I can brand new. You and HG, who is you? Bro caught you lacking, now you see black and blue. He afraid, so he keeping a two. Dig your own grave and go buy a tomb. She eat a big dick and she don't use a spoon. I hop in the foreign and then it goes zoom. She too. On arrive sur la fin de la séance, du coup les gars, c'est assez long, il y a pas mal de monde, il y a un pont je crois, entre aujourd'hui et demain. On arrive du coup sur les abdos, comme je t'ai déjà peut-être dit dans des vidéos sur les abdos, privilégie ce genre de poignée, tu seras plus stable. J'ai enlevé mon casque, j'ai enlevé tout ce qui me déroule au niveau de la tête pour être le plus possible quand je fais mon mouvement. 3 séries, 8-10 sur la première, 11-15 sur les deux autres. Une série plus lourde en premier et deux séries plus légères, enfin on va dire que tu mets moins lourd puisque tu as plus de répétitions, en deux et troisième pour privilégier du coup là, on va dire la connexion cerveau-muscle et du coup créer plus de connexion nerveuse puisque tu fais plus de répétitions. C'est une chose qui peut être intéressante de ce genre de mouvement. Donc là, ce qu'on va vraiment chercher à chercher, c'est refermer au maximum le ventre,
comme si tu avais une grosse crampe, tu vois, abdominale, et ouvrir au maximum pour étirer. Donc du coup, expirer, inspirer tout l'air quand tu es comme ça, expirer tout l'air quand tu es comme ça pour chercher à rentrer le plus possible. En gros, c'est ça compliqué, genre un C dans un sens et un C un peu dans l'autre avec ta colonne, tout en sachant que du coup, la partie vraiment qui doit bouger, c'est la partie qui est de là à là. C'est vraiment cette partie-là qui est mobile. Le reste, c'est uniquement de maintien à ton corps. Tu vas avoir un angle droit entre du coup, tes jambes comme ça et ton bassin là. Et c'est vraiment uniquement la partie en haut qui va s'articuler sur ce mouvement-là. Pareil ici, comme sur les autres mouvements, pas de précipitation. Tout le monde s'en fout du poids que tu mets sur un crunch à la poulie, tu vois. Tout le monde s'en fout. Prends le temps. Une bonne, voire même deux bonnes secondes de contraction en bas du mouvement. Passe du temps sur la phase d'étirement. Profite vraiment de la tension que tu peux avoir avec cette poulie pour justement bosser au maximum des abdos sur ce mouvement-là. Bon, je t'embarque avec moi rapidement dans ce physique update. Je suis pas sûr de la lumière ici. Je suis pas sûr que mes lunettes font bien avec le micro ici, mais c'est juste pour que tu puisses m'entendre. Juste que on regarde le physique où il en est un peu. Petit physique update. Je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus, les gars. Surtout pour le haut du corps. Actuellement, c'est archi plat parce que j'ai très peu de glucides, très peu d'énergie. Je m'entraîne quand même très dur. Donc, je ne m'attends pas à avoir un physique absolument insane. On va juste voir au niveau du placement et de la lumière. Au moment où je fais la vidéo, j'ai eu le retour d'AJ, il n'y a pas de changement particulier sur la diète, sur le cardio ou quoi que ce soit. C'est principalement voir où on en est. Yo, one stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MPOZ, keep singing my play, don't tempt me. Farm blocks late night, no entry, sentry, pool keys all in the rest. Yo, man get sought like jelly. 5 a.m. getting it for murder, no fiber, you got John, no wellies. Tony got John, no wellies, no one to answer, we can't see clear. Foot on the clutch and to get, wind on the window, they all disappear. The neighbors like, what happened here? Tony got shaved, but he still got hair. Big drip, little drip got tear. Got me with lurky, we had big man scared. Ouais les gars, merci pour ta position un peu étrange dans cette position là. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo. J'espère que le push day t'a plu. Je vais finir encore la molto qui me reste. Avec le peu d'énergie que j'ai, rentrer à la maison, prendre mon repas du midi, comme tu le connais bien si tu as regardé les vidéos de full day of eating de training day. Si tu l'as pas fait, je te le mettrai à la fin de la vidéo pour que tu puisses le voir. J'espère que la vidéo de push t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Vidéo peut-être un peu plus courte, mais juste sur ma séance. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que les compétitions approchent. J'ai hâte d'y être. Hâte de t'amener de nouveau une UEFA en Italie pour 3 compétitions. 2 en Italie, normalement une en Allemagne. Donc j'ai hâte de t'y amener si tout se passe bien. Merci d'avoir suivi la vidéo. Le petit like, ça t'a plu. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vais rentrer manger, j'ai super faim. Ciao les gars, merci encore. Shots out the broom.